déjà faite. Donc, on va passer à la remise des prix de notre concours. Je vais demander à tous les participants de se rapprocher pour remettre les petites récompenses. Sachez que tous les enfants auront un petit cadeau en descendant de la scène que Denis leur donnera. Je vais demander aux participants à chaque fois de monter de ce côté-ci et de descendre de l'autre côté pour passer vers notre Gandalf à nous. Tout d'abord, le temps que tout le monde revienne, donc je voudrais remercier toutes les personnes du salon de Valan aujourd'hui. Donc tout d'abord, je veux qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Denis et Chris qui ont permis de fonder ce magnifique salon. Bravo! Ensuite, je tiens à remercier tous les bénévoles, notamment le Tennis Club de Valan, parce que sans eux, tout cela n'existerait pas. Donc on peut vraiment les applaudir. Enfin, je veux faire un clin d'œil important. Je sais qu'elle est là-bas et qu'elle a dos tourné parce qu'elle est dans le travail. Je veux qu'on applaudisse Manu. Un grand bravo à elle et à Charlie, qui est notre DJ, qui ont permis également de réaliser ce salon. Je vais continuer mes remerciements. Je vais remercier tous les sponsors qui permettent à Denis et à Chris de réaliser ce magnifique salon. Comme vous le voyez, nous avons de belles décorations, donc un grand merci à eux. Un grand merci également oui, pour la tombola. Vous avez remarqué que nous avons de très beaux lots cette année, donc un grand merci à tous les sponsors. Je remercie également tous les exposants qui sont là cette année. Merci à vous tous. On remercie également la mairie de Valan, sans qui nous ne pourrions pas être dans cette belle salle. Enfin, je remercie tous les participants du concours. Vous pouvez tous vous applaudir bien fort parce qu'il faut quand même du courage. Et surtout, un grand bravo à tous les enfants. Les plus petits n'ont que quelques mois à avoir osé monter sur scène, montrer leur costume. C'est pas facile. Donc, un grand bravo, les enfants. Enfin, je remercie nos quatre jurys. Julie Beck est juste ici. Julie, Fred, Dylan, merci à vous trois, vraiment à vous quatre. Merci à vous de participer. Merci à toi. Merci. Et enfin, merci à vous tous. Bon, je vais éviter de faire pas chanter les enfants trop longtemps. Les enfants de la catégorie déguisement, donc les costumes, vous allez tous venir sur scène et vous allez vous mettre devant juste là, pour le temps qu'on annonce. Les enfants, tout le monde est là? Cette année, nous avons presque 25 enfants, donc un grand bravo à eux. Et c'est le moment de faire toutes les photos que vous voulez. Donc, je vais commencer par les prix coup de cœur. Sachez que nos jurys, donc ils sont quatre jurys, et cette année, comme il y avait plein d'enfants, bah, il y a eu plein de coups de cœur. Donc chacun des jurys a décidé de donner un prix coup de cœur à nos enfants. Donc je vais commencer par le premier prix coup de cœur. Le premier prix coup de cœur, il est attribué à Dean en Hulk. On l'applaudit. Bravo! Un autre prix coup de cœur est attribué à notre mercredi, Perle. On peut l'applaudir. Est attribué à Maëlys en Black Panther.
a décidé de donner une médaille parce que c'est un prix coup de cœur pour la plus jeune de nos participantes, notre Blanche-Neige. Allez-y, mettez-vous devant. Allez-y, on peut faire des petites photos. Bravo Lali, Blanche-Neige. La relève cosplay est assurée. Bon, maintenant que nos quatre prix coup de cœur ont été remis, nous allons commencer par le classement de nos enfants. Je rappelle que tous les enfants, vous avez tous été exceptionnels. Un grand, grand, grand bravo. Et vous aurez tous un petit cadeau, quoi qu'il arrive. Donc déjà, vous pouvez vous applaudir et être très fiers de vous. En troisième place, je demanderai à l'enfant de s'avancer. Le jury a décidé de nommer Abby en Black Panther. Avance-toi, Abby, mets-toi devant. Allez-y, faites des photos avec les jurys. On peut les applaudir bien fort, nos participants.
place est attribuée à Fabien en découle. Bravo Fabien. La deuxième place est attribuée à Ambre en Wanda. Et la première place, Roland Tambour, est attribuée à Églantine en furie.
maintenant, je vais appeler la troisième place. Et en troisième place, notre jury a nommé Boba Fett. En deuxième place, le jury a décidé de choisir Gaël en Maléfique. Ouais. Pour le travail est attribué à Alexia pour son armure de Monster Hunter. Il faut l'applaudir très 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 fort. Bravo Alexia. Je vous remercie à tous, j'ai passé un très bon moment avec vous. Et vous pouvez vous applaudir bien fort et je vous dis